et là pas gen moun ki ka parler de yo. Et si tu vas sur l'internet aujourd'hui comme monde l'a dit ouvert, al gade plan Vigipirate. En France, le gen acte terroriste qui posé, yo mette toute partie dans plan qui ka public là. Sa population doit connaître, ça doit faire, sa institution yo, sa gouvernement doit faire réunion conseil de défense. Donc gon parti qui public. Alors que gagnent ordre d'opération que unité et CRI qu'on a placé, yo même ou pas ka connaître yo d'ailleurs ou pas doué connaître yo. Donc bon évolution de question sécurité a par rapport à justement des monde qui était a fait sécurité dans les années 60, 70, même 80, à qu'on y a, côté que question, il évolue. Ce sont les mêmes bases. Ces mêmes bases, mais bah, ils évoluent en pile. Et qui fait que je dis, moi, qu'à parler de ça qui est public. Même pas qu'à parler de ça qui est confidentiel. Mais, en général, on plan, on population, doit comprendre, pour que le, la police a agi, pour qu'on rentre là-dedans tout. Parce que, plus gros, associé, allié que la police gagne ou bien force publique gagne dans l'exécution plan, c'est la population. Radio Omega. Donc, c'est dans ce sens que je voulais dire, mais, Omanes, avant de arriver là, je voulais un petit peu faire une mise en contexte pour que vous compreniez. Et, quand il y a moi, tout le monde dans la radio a parlé de plan. De plan. Plan, il faut nous qu'on plan, je voulais des syndicats de la police parler de ça, je voulais des leaders politiques parler de ça. Mais, depuis 2021, l'homme te parlé de ça. Il y a des gens qui n'ont pas tellement d'importance. Mais maintenant, c'est devenu à la mode. Et je suis bien content. Parce que c'est pas. Nous avons juste besoin de lancer l'idée pour que nous arrivions dans une situation côté que nous faisons le passé. Mais si nous avons fait payer, dès qu'on avance plus, oui. Nous avons barré plan et nous avons dit si plan passé ou tout. Oui, moi, j'entendais ça même. Et j'entendais qu'on a rébuté parler de ça tout. Il dit que, eh bien, il y a un pile jaloux. Ouais. En pile jaloux parce que vous pensez que si plan passé, c'est sénateur la torture, eh bien, il a dit c'est l'île tout président, pas ça. Mais ça, vous n'avez pas dit. Sénateur la torture qui était étudié gratuit dans l'académie militaire pendant 3 ans, qui est aussi lauréat à promotion, qui a étudié là-bas, qui déjeune demi-bourse, qui sait que l'Ikaoué baille pays, le pays en difficulté. Ah oui. Je pense que je dis à la, si il y a n'importe qui problème dans le pays, a spécialiste qui dans le pays, a après le premier. Donc si je dis à pays, tu es arrivé, fais des études de façon gratuite au départ, je dis à moi-même, je pense que moi doué pays à ça, et ça fait me dire question ça, c'est question bénévole. Je n'ai pas besoin aucun job, je n'ai pas besoin de rien, moi juste besoin que le conseil là, l'ICA, eh bien, t'en des plans, approprier le délit et permettre lui-même l'exécuter. Bagayen, moi-même pour m'entrer dans l'exécution. Seulement, si y a des bagayens pas comprendre, moi toujours là m'expliquer. Mais maintenant, va m'expliquer Mounio un petit peu mise en contexte de question de plan. Là, on a parlé de plan, il y a une confusion. Plan que n'a parlé là, c'est le plan d'urgence sécuritaire opérationnel. Ça veut dire son plan qui parlait de aspect répressif là. Aspect répressif là pour moi te ka di bandio pour terroristes pendant une période de 3 mois et que ka renouveler eh bien après 3 mois dépendant de résultats. Maintenant gagné ça relé le plan de réforme de la force publique qui est différent. Plan de réforme de la force publique là c'est rivé pour nous mettre en force publique sous pied qui gagne l'armée, la police et l'intelligence, qui capable contrecarrer tout l'autre assaut, tout l'autre problème qui a gagné pour payer à pas jamais retourner dans situation ça. Et l'extrêmement important pour nous comprendre ça. Plan y a parlé là, plan moi-même m'a parlé là, c'est le plan d'urgence sécuritaire qui fait pour une période de 3 mois pendant lequel il a redéployé la police là au lieu c'est redéploiement administratif nous gagne nous parlons redéploiement opérationnel. OK. Alors que plan de réforme que n'a besoin c'est après plan ça que l'état doit pendant 5 ans mettre sous pied un plan de réforme de nos 3 entités et de la force publique hein, la police, l'armée et le service d'intelligence pour que à jamais ben, ça va recommencer. Parce que pour qui ça m'a dit ça, et Omanes, il y a une réflexion que un pile moun a fait que problème ça, li sorti du fait que on est
et soit dans l'élection, on l'autre côté, li ba on nèg on zam, li armé moun. Mwen konnen si allié que la police gagne ou bien force publique gagne dans l'exécution plan, c'est la population. Donc, c'est dans ce sens que je voulais dire. Mais, Oumanes, avant de arriver là, je voulais un petit peu faire une mise en contexte pour que nous comprenions. Quand il y a tout le monde dans la radio a parlé de plan. De plan. Plan, il faut nous comprendre. Je voulais syndicat la police parler de ça. Je voulais des leaders politiques parler de ça. Mais depuis 2021, l'homme a parlé de ça. Il y a des gens qui n'ont pas tellement d'importance. Mais maintenant, c'est devenu à la mode. Et je suis bien content. Parce que c'est pas. Nous avons juste besoin de lancer l'idée pour que nous arrivions dans une situation. En 1994, nous faisons le passé. Nous avons une réflexion qui n'est pas faite le que le président Aristide a crasé l'armée et que la force internationale a venu. Pas de réflexion qui était faite de la force publique haïtienne. Eh bien, où t'es une force étrangère là qui t'est rentrée, et dès que force ça lui-même l'était rentré, il a renvoyé l'armée avec toute capacité que le gagne opérationnelle pour les protéger pays, il a venu avec la police nationale. Et police besoin rien, moi juste besoin que conseil là, l'ICA eh bien tend des plans approprié le délit et permettre lui-même l'y exécuter. Mba gagne moi-même pour m'entrer dans exécution. Seulement si y a des bail international, la mission toujours là m'expliquer. Mais maintenant international expliquez-moi où tu viens gagner immédiatement après ministre ça qui dure 15 ans. Et malgré ministre ça t'est arrivé en juin 2005 et là encore que l'état ici a été fait le faut ça après rentrer pas de un plan pour te dire mais qui ça qu'a fait par rapport à force internationale là et par rapport avec force haïtienne qui lui-même t'est fin ébranlé par événement 2004 et qui t'est arrivé dans une situation côté de 5000 monde la police gagne elle devine passer à 3000 monde. Donc ça veut dire que en chaque fois que mission yo y a vinn dans pays l'état pas jamais font réflexion pour dire mais qui ça va vinn faire. Mais comment m'a préparé force moi yo pour que dans 5 ans dans 10 ans et que nous-mêmes nous ca vienne indépendant et ça arrivé en général et Romanes c'est que en 2005 ministre Savini eh bien jusqu'à 2017 le ministre pour aller il changer nom il vienne le ministre il vienne miponu il vienne mini juste vienne miponu eh bien ça vienne arriver mini juste que il vienne binu pas jamais eh bien ça vienne arriver c'est que pas jamais gagné une force haïtienne qui représentatif qui ca prend en charge question sécurité a. Ça vient arriver question l'armée a moun yo pas jamais d'accord avec malgré combat qui fait dans parlement yo remettre l'armée a dans question constitution eh bien ça vient arriver l'armée a li pas jamais sous pied ou du moins yo essayé mettre le sous pied et yo isolé le deux la police là yo dit faut arriver à 15000 hommes et faut gagner en police rurale qui pour en même temps que police a évolué dans ville yo gros police qui dans les zones rurales pour remplacer chef section tout ça malgré tout nous va jamais arriver là-dedans. OK et troisièmement service d'intelligence là pour y mettre sous pied ce n'est que avec président Jovenel que font décret qui était très contesté c'est l'ANI hein l'agence nationale d'intelligence qui va jamais mettre sous pied. Donc est-ce que jodia tu as un plan pour que au départ de la force, trois entités ça ont été campé. Non, c'est un bagage amateur qui t'a fait. Je dis à dans quelle situation nous retrouvons là, Oumanes. Nous retrouvons dans la même situation. Côté cette fois-ci, il est beaucoup plus grave que situation sécuritaire là. Il n'est pas sorti de un président qui est allé et qui a gagné des émeutes dans la rue. Il est sorti des gangs qui a valé territoire, qui presque occupé zone métropolitaine à 80% et qui occupé deux départements de cadres stratégiques côté que yo continué à craser Ngadou les immeubles des institutions de sécurité publique par exemple de la police et a avancé et où on force internationale et bien qu'a venu cette fois-ci important non audizienne on différence oui. C'est peut-être ça tout à l'heure nous pourrons parler du cadre légal là. Parce que force qui vient là, il va les bérets blancs, les bérets rouges, il n'y a pas force Nations Unies qui vient là, non. Ce sont forces non onusiennes qui viennent avant les Nations Unies, mais ce sont forces internationales. Donc,
à la veille de situation ça, moi penser l'État haïtien a une réflexion profonde pour le faire. Quelle est la réflexion profonde? Un, comment pour nous attaquer problème directement de terroristes, de bandits qui posaient là, comment pour nous résoudre, c'est le plan d'urgence, et comment pendant force ça là, pour nous tout résoudre problème force publique haïtienne. C'est ça qui est extrêmement important. C'est pour ça que l'homme a parlé de plan, il y a deux plans. Il y a le plan opérationnel, il y a le plan de réforme de la force publique. Et je dis, il est extrêmement important pour nous garder l'erreur que nous avons fait. L'erreur l'État a été fait en 1994. L'erreur qui a été faite en 2006. L'erreur qui a été faite le ministère Tabralé. L'erreur, ça y est, c'est que l'État a quitté international la jouer leadership là et lui-même lui pas mettre un plan. Alors que moi quoi que international là il vini pour l'aider. Et s'il vini pour aider, faut que haïtien ait capacité parler avec elle pour lui dire mes côtés pour aider. Moi toujours à répéter ça Romanes. L'aide doit nous aider à sortir de l'aide. Si y a ba nous aide là, c'est pour nous sortir d'une situation que nous pas besoin encore. Donc si je dis à l'international, là, les disposer, il y a dépensé 200 millions, 300 millions, 400 millions pour venir aider, eh bien, moi, pensez qu'on volonté, mais qu'on y a volonté à doit arrêter beaucoup d'Haïtiens. Mais si Haïtiens pas comprendre que qu'on consensus, je dis à tout le monde doit la donner, pour y attendre tout le monde, pour y prendre les mesures qu'il faut, pour que leur force la vini, qu'on réception qui vini, qu'on opération qui fait, qu'on réforme qui fait, nous allons recommencer de ça dans 10 ans encore. Donc, c'est ça faut me faire mise en contexte à Oumades. Moi, je voulais justement motiver Mounio sur comment pour y aborder des questions. C'est pas une question de ce que on moun vini. Lidi, on fait un petit plan pour 3 mois là, on résout le problème là, et puis nous allons connaître ce qui va passer. C'est la préparation macro, maintenant, de la réception de cette force dans un cadre opérationnel avec le plan d'urgence et dans un cadre de réforme avec le plan de réforme. C'est le premier bagage que j'ai besoin de dire. Maintenant, Omanes, moi, t'ai parlé de plan en 2021. Moi, justement, bon exemple. Je me souviens, l'homme rencontré avec chef police là, et l'homme rencontré avec premier ministre là, à partir de ce moment, en dehors des équipements de la police, au compte qui budget qui était élaboré, et moi, t'ai dit, laissez-moi quoi, c'est Léon Charles qui était là, que je commençais à parler, et puis après, je devine parler avec le directeur LB. Mais la police n'a pas plus besoin que 60 millions de gouttes pour te faire opération. Dans le moment, ça a oui. Et bon, on est question tellement. Alors, en dehors des équipements, oui, mais pour les opérations. Parce que l'ordre d'opération, les grands partis, ils la donnent, administration logistique. Mais où on est aujourd'hui, la situation tellement grave, les cas 10 fois plus, les cas 15 fois plus. Ça veut dire que le fait que nous perdions 3 ans et que nous arrivions là et que nous avons de justement international là, nous pas fait rien, nous venons dans une situation, côté situation, nous venons 10 à 15 fois plus grave que je l'ai auparavant. D'ailleurs, si je montre dans le plan juste en cartographie des gangs, je montre au côté rouge que gang était en 2021, à jeudi, dans la cartographie que nous avons, ou après que rouge là, les multiplier par 15. Ça veut dire que deux ponts de mer là, ou après actuellement tout côté que vous y êtes. Eh bien, parce que pas de décision politique qui te prend, parce que Haïtien, il est toujours non chirépite, si un tel présente un bagaille, eh bien, demain, Mounsa, il cache une gloire, eh bien, et que m'a bloqué pour ça, je préférais que population vienne des milliers de déplacés, des milliers de business qui crasent pour nous arriver dans la situation ça. Maintenant, je ne vais pas t'adim sur ça parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et là, on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est toujours la même volonté que nous avons en 2021 pour que nous aider. En 2024, c'est la même volonté qui existait malgré que la situation est plus difficile. C'est toujours la même approche là pour que moi-même, moi, t'ai fait ça, me t'a fait. Eh bien, de façon bénévole, et je dis encore, c'est de façon bénévole que moi je voulais faire pour que pays PAM, parce que j'aime bien dire, il y a deux pays, non, Obanes, pays PAM sorti dans la situation, ça. Parce que l'autre jour, je regarde, on va à Obanes, on va à qui était grave, il y a une famille
et gagne deux trois monde qui américain et deux trois monde qui français et bon connaît les problèmes là vinn grave américain vinn il prend pas là la France vinn il prend pas là on connaît haïtien qui était pour contre lui haïtien qui était dans compte avec l'autre là les regarder dans voisinage là c'est seulement là oui et c'est seulement livré donc je dis nous doit comprendre que premier responsable là premier monde qui doit faire consensus là pour nous sortir dans ça nous hier c'est nous mêmes donc voilà ça me dit et moi pensais que brièvement Romanès va parler de grandes lignes qui important que nous tracer dans plan opérationnel là et dans plan de réforme de la et de la force publique là parce que c'est deux plans qui pour bail mais Romanès travail qui fait là m'pas pas le prendre et justement toute gloire et l'homme on travaille en côté d'ailleurs où est ça nos travaux académiques pour que ou même ou rivé ou dit c'est ou fait non quand pile contribution qui fait que travail ça a fait et jusqu'à matin m'te ouais mais Gabi Blaise t'a fait on note sorti pour parler de aspect légal là et dans aspect légal là gagne on parti que le dit qui était déjà dans plan sur la question de la déclaration de l'état d'urgence moi dit gouvernement c'est pas déclarer état d'urgence seulement non mais c'est mettre qui mesure restrictive de liberté qui en dedans état d'urgence qui pourrait permettre que policier ou militaire ou force internationale là gon cadre pour l'opérer et pas simplement déclarer non mais il faut que les mesures soient clairement définies mais bon le bagage que le dit que me pas mettre force qu'à venir c'est pas une force onusienne non son force non onusienne oui donc faut cadre légal là clairement établi ou on pourrait ça faut clairement établi parce que demain si force ça vini là attaquer moun gen vol gen viol faut peuple haïtien lui-même justement eh bien yo limiter pour que demain peuple pas vienne lever contre lui oui et faut que radio clairement défini pour force là tout connait oui et c'est dès le départ pour yo faire parce que c'est pas une force non onusienne qui gagne moi t'ai qu'a dit tout règlement tout statut qui déjà établi par conseil de sécurité à sous chapitre 7 là non son force non onusienne qui gagne aval mais qui pourra le déterminer d'après un accord entre Haïti et pays ça yo donc il faut que gon cadre légal qui bien déterminé pour que justement li ka gérer li ka passer bien parce que quel que soit son mon a dit si gagne un soldat étranger un militaire un policier qui vient pour moi c'est parce que li gagne une volonté pour aider eh bien si gagne volonté pour aider faut nous bien faire pour que après volonté ça elle pas vienne tourner on l'obéit côté gagne problème gagne discussion entre population et force là et l'arrivée on bagaille qui bien li tourner en mal et c'est peut-être ça nous te dit faut yo bien déterminer cadre légal là et surtout mission parce que la mission de la force son mission d'assistance à nos deux forces qui est la police et l'armée donc si son mission d'assistance si grand cadre légal moi penser que à partir de ce moment question les bien parti donc le cadre légal son bagage qui est extrêmement important pour déterminer et ceci dès la première semaine parce que à la fin de plan moi dit que c'est sous 3 mois pour yo exécuter de première semaine de semaine 1 à semaine 12 moi mettez exactement tout ça que chaque entité doit faire dans semaine 1 qui ça pour conseil présidentiel là il fait qui ça pour la police fait qui ça pour l'armée fait qui ça pour intelligence là fait est-ce que au match est-ce on dit blanc vini est-ce qu'il y a qu'à travailler à la police à justement dans plan moi mettez qui ça pour force internationale là fait d'ailleurs pour me bien expliquer ou me pas entrer dans aucun détail mais pour me bien expliquer ou nous baille chaque entité sa mission yo ouais conseil présidentiel là à gouvernement yo responsable de aspect légal et de aspect budgétaire et de aspect pression pour équipement yo rentrer c'est-à-dire que en gros aspect logistique là aspect légal là aspect budgétaire là là ou nan question gouvernement conseil présidentiel aspect opérationnel yo nan men l'autre trois entités yo ouais l'armée la police et le service d'intelligence maintenant chaque entité sa yo OK yo gon rôle que y a joué par rapport à mission que y a confié yo et c'est peut-être ça
nous-mêmes nous parler d'un état-major conjoint. Faut qu'on état-major conjoint qui l'a entre eux, la police, l'armée et la force internationale, qui ont même cap exécuter le plan opérationnel. Moi, je pense que dans la première semaine, nan, chaque a gen rôle yo. Et c'est peut-être ça, nous quitter justement rôle opérationnel yo dans main la police et la force internationale et rôle de consolidation yo dans main l'armée et la force internationale. À partir du moment que chaque entité yo connaît rôle yo, chaque semaine, de semaine 1 jusqu'à semaine 12 d'après les cartes, yo gagnent pour yo agir. Donc ça veut dire que pas gagné rien qu'a fait en dehors du plan. Ça qu'a fait là, les coordonnées entre ces trois entités opérationnelles. Il y a l'entité politique qui est le conseil présidentiel et le gouvernement. Il y a l'entité, moi t'ai dit, globale qui c'est la population. Parce que soit font plan, font population, les connaît, les ont déclaré état d'urgence là, qui rôle que l'a joué. En général, la donne, gagne l'entité politique, non seulement macro, qui c'est le gouvernement, mais faut impliquer les acteurs locaux, le secteur religieux, les délégués, les vice-délégués, les maires. Ok? Est-ce que le gouvernement a besoin rivé pour changer, ça doit changer, mais une implication qui doit être faite là-dedans, pour que yo même yo joué à côté de la police, des forces opérationnelles, ou pas yo. Parce que non, plan, c'est pas la partie opérationnelle, c'est environ 50%. L'autre partie, qui c'est question budgétaire, qui c'est question équipement, qui c'est question accompagnement population, c'est l'autre 50%. Donc, tout le monde a un rôle, et c'est peut-être ça, au niveau de plan, nous mettez rôle chaque entité pendant 12 semaines à yo, et même rôle population pendant 12 semaines. Donc, ça a son plan sous 3 mois. Sous 3 mois. On dit l'offre fin appliquer plan, et après l'offre fin appliquer plan, pour le gagner, la mise sur pied du plan de réforme. Du réforme de la force publique. Alors, Fondi Romanes, l'offre fin appliquer plan, après 3 mois, arrivé à une évaluation qui est faite. Évaluation, ça va pas le mener. Est-ce que nous arrivons, nous besoin renouveler cette même opération, parce que nous pouvons finir, ou bien est-ce que nous ne pouvons pas renouveler? Et à partir du moment que nous pensons que nous n'avons pas besoin de renouveler, commence la mise en place du plan de réforme. Parce que le plan de réforme, moi, je pense que c'est extrêmement important, parce que comme on t'a vu, Romanès, de 1994, de 2004, de 2015, nous presque 4 interventions dans le pays. Et je dis à mon papa, je dis, c'est un tel qui est responsable, un tel pas responsable, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour que nous ne pas gagner justement au sixième après cinquième ça? Qui ça nous doit faire? Et c'est ça qui est important, qui fait appel, premièrement, à consensus politique là. C'est ça fait que quel que soit problème qui a gagné au niveau de conseil là, mais les gagnés ont consensus qui sortit la donne. Et je pense que consensus ça, il faut nous pousser en tant qu'haïtiens pour que nous corrigions et nous devons faire. Pour que yo rive gen un leadership politique, parce que leadership politique là extrêmement important, et de leadership politique là tirer on l'autre consensus qui ca permettre que on rassembler tout expert hein qu'il faut pour que nous rive dans application justement des plans, ne soit le plan opérationnel ou bien le plan de réforme. D'ailleurs m'a dit un bagaille et on a des gagné plusieurs experts dans pays là. Moi-même moi toujours marcher un document moi ta remet. Moi, je souhaite tout que tout expert yo mette document par yo sur table là, que nous présenter document yo avec entité politique là qui c'est le conseil, et conseil là lui-même lui déterminer lui prend exactement ça pour le prendre. Ou quand on arrive en côté et Romanès ou qu'on arrive, eh bien tout nèg pour le présenter devoir yo on côté ou à présenter devoir à professeur. Moi-même, moi, t'as aimé que c'est pas un monde, yo t'en dis tout le monde qui parle de plan, yo. Yo gade yo, nan cartographie yo, nan aspect opérationnel yo, nan aspect, et moi, t'es quasi intelligence yo, pour que yo rive, et toute partie ça yo, à partir de ce moment, conseil à lui-même, l'été gain droit déterminer, parce que pas gain un seul expert en Haïti, gain plusieurs. Mais, permettre que entité politique là, l'tendez tout le monde, pour que nous rive, justement, entité ça arrivé saisi décadi livre retirer livret du bon grain et prend le bon grain qui permet que peuple haïtien li sorti
dans ça que lié là pour le moment. Merci un peu le sénateur La Tortue. Avec nous le sénateur Yuri La Tortue, la fonti parler là du plan de sécurité que lui présenté by de monde qui est dans le conseil présidentiel là, mais c'est pas tout le conseil, c'est plutôt monde qui sorti dans le même groupe et m'a dit ou sorti tout. Un compromis Smith historique. Qui sont aussi dans le même groupe avec nous et enfin le conseiller Gilles qui était présent, qui était venu et qui nous a fait l'honneur d'être présent et qui ont même gagné un plan et pendant qu'il a parlé à l'autre membre conseil pour qu'il y ait une plus grande présentation et je suis disponible de façon bénévole. Merci. Il a dit bénévole, l'avait dit sans toucher sans au bout. Sans l'argent. La tournée pour nous venir avec le sénateur La Tortue, pour nous garder des forces là. Une fois que force là venir, comment le cas réussit? C'est après la pause. N'a pas venu d'aller. Gué pas de responsabilité pas. La police gué pas de responsabilité pas. L'armée gué pas de responsabilité pas. Même les directeurs de douane yo gué de responsabilité pas. Qui ça chaque monde ça au café, sénateur La Tortue, pour au moins nous garder sécurité dans le pays. Très bien. Avant d'arriver sous ça, au Manès, me devler premièrement au départ faire mise en contexte là, expliquer moun yo en série de tabou que yo dit ou pas parler de plan sécurité dans la radio non. Il y a une partie qui est publique, il y a une partie qui est confidentielle. Si je dis à tout le monde aller checker plan Vigipirate en France, plan Le Pervier ou Abjoenio, parce que ça c'est partie qui est publique là. Mais ordre d'opération, c'est il y a fait al pas public. Donc moi-même, moi voulais dire mon yo que ça n'a fait là, c'est en sorte de motivation pour mon yo qu'a connaît, il y a possibilité pour yo sortir dans question ça, c'est l'état prend responsabilité et au bon rôle qui pour jouer. Et c'est peut-être ça ouais à la fin de plan, à la fin de plan, nous mettez rôle chaque monde doit jouer. Rôle exécutif et national là, rôle exécutif local yo, rôle PNH là, rôle l'armée là, rôle force internationale là et rôle société civile là. Tout monde sa ou gen rôle yo en dans plan. Et metale rôle là de semaine 1 à semaine 12. C'est-à-dire que dès que vous déclarez, et bien état d'urgence sécurité, je déclare là, non? État d'urgence pour plan opérationnel là. C'est-à-dire que vous venez à mesure, toute mesure qui doit adopter depuis ce premier jour, tout le monde travaille. Et dans la 12e semaine, moi pense que l'évaluation a montré que le peuple haïtien a gagné une victoire. Donc, moi-même, pas parler pour mes raisons, parler de rôle que chaque monde doit jouer, mais moi, je voulais dire que grande ligne que plan doit adopter, moi te dis déjà en 2021. Le Ariel Henry te dit, sénateur La Tortue, la sécurité c'est un détail. Et peuple haïtien Noël, pendant 3 ans, nous voyons que le fait que le premier ministre a été considéré comme un détail, eh bien nous voyons sacrifié de 20% d'occupation de territoire de la zone métropolitaine, nous passer à 80%. De en cartographie qui te gagne certains points, certaines zones en rouge, je dis à zone métropolitaine là, en rouge. Rouge là indiqué exactement tout côté gang yoye. De peut-être, m'te ka dit, 100 de gangs qui étaient installés dans la zone métropolitaine là, ou passé environ 500. Donc ça veut dire que, et wapwe, et comment nous classifier gang yo et romanes, dans plan, il y a des gangs qui expansionnistes. Il y a des gangs qui fédérateurs, il y a des gangs qui sédentaires et des gangs qui embryonnaires. Sou pas konn classification yo, ou pas konn comment pour mener opération yo. Et le fait que justement expansionniste ou gen gang li même la occupé territoire en territoire, il y a des ça qui sédentaires yo et la caillou, il y a des ça c'est embryonnaire l'autre gang utilise yo pour faire opération et il y a ça qui fédérateur. D'ailleurs nous wè comment gang yo fédéré yo. Donc moi crois que nous venons arriver dans une situation côté que le fait que un premier ministre dit que la sécurité est un détail et que le met toute force li pour te compter seulement sur l'international là, li voit comment situation li dégénéré. Ce que nous avons dit en 2021, c'est même basio nous reparti encore pour que nous fait travail ça. C'est même basio. La seule chose, nous te gain 10 pages qui était avant, je dis à nous 30 pages plus toute cartio plus tout baio qui fait un plan assez volumineux et qui reflétait tout bagaille en détail. Mais nous partons sur les mêmes bases de grandes lignes. Nous te dit tout plan opérationnel doit partir dans trilogie intelligence, infiltration et combat. Intelligence, infiltration et combat, nous te dit dans la radio, me répéter jusqu'à ce que à la fin il dit il a fermé bouche
il a fermé bouche et sénateur la tortue, il parle trop. Et j'ai l'air de parler de blender de toute bagaille. Et comme de fait, je devine font temps pas parler. Je pense que je prends un petit temps pour me occuper en réponse légale. Même parce que le pays n'a pas qu'à tomber. Et que quelquefois, comme militaire, mieux vaut tomber la tête haute. Eh bien que ou vive les chines courbées. Je pense que faut nous parler. Puisque situation mandée et faut me parler à chaque fois que je dois parler. L'homme dit, la trilogie de ce plan, c'est l'intelligence, l'infiltration et le combat. Ou pas, je n'ai l'autre trilogie qui est exactement dans le combat à tout, qui c'est l'isolement, le démantèlement et la consolidation. Donc, c'est à partir de ligne ça que le plan ça a fait et son plan opérationnel. Je vais simplement garder un bagage avant Romanes, pour nous comprendre. Et tout le monde connaît ça. L'homme dit l'intelligence en Haïti. Justement, le service d'intelligence n'est pas organisé. Et que y a une action nous demande des conseils là, prends encore l'intelligence là, qui est dans la primature, ou remettre-le à la police et à l'armée. Et m'assurer, dans un mois, sur ce plan, il y a modernisé le service d'intelligence là. Et l'armée a gagné un pal, et la police a gagné. Et comme qui n'a pas l'air, yo gen droit kembel pour yo faire le service de contre-intelligence. Parce que pa gen pays pa gen intelligence et contre-intelligence. Mais li anormal que la police et l'armée pa gen service ça. Actuellement gon service d'intelligence qui n'a DCPJ mais son service dénudé. Actuellement l'armée gen un minimum service mais li pa gen moyen. Pa gen aucune opération qu'on ka mener et ou manne si pa gen intelligence. On pa besoin du plus. Il faut transformer. Voilà ma conclusion. Il faut transformer l'intelligence gouvernementale en intelligence opérationnelle. Intelligence gouvernementale, là, son intelligence côté coble après les gaspillés, militants, politiques. Alors que intelligence opérationnelle, là, l'armée, la police, les services d'intelligence, pour y avoir information, y recueillir information et y traiter pour y mener opération. C'est la première chose à faire. Et intelligence, ça, c'est ce qui permet de connaître qui n'est qui veut remettre les armes, qui n'est qui pas sous bataille encore, qui n'est qui veut rentrer dans le cadre légal. Donc, moi, je pense que c'est à partir de ça que ou qu'a fait deuxième partie à qui c'est infiltration. C'est à partir de l'intelligence là. Et là, infiltration, au fin de c'est avec intelligence là que ou qu'a mené combat. Et combat, moi, je pense que on l'autre trilogie la donne. Et trilogie combat, il commence la première phase à c'est l'isolement. Je salue le ministre Luc Madelil qui ont le retiré dans la stratégie isolement. L'isolement est extrêmement important. Je n'ai pas besoin de aucun détail. Mais après l'isolement, justement, c'est le démantèlement. Et après le démantèlement, c'est la consolidation. Et ça nous est, il faut que chaque entité ça y ait là. Il y a un rôle dans la grande ligne ça. Parce que yon pas doit monter sur l'autre. Et doit gon état-major conjoint qui coordonne toute question ça là. Moi pense que dès 2021, nous devinons avec même théorie ça. Et moi te dit, dans l'opération, il faut une unité spéciale qui te kamène parce que les unités spéciales de la police, que ce soit le SWAT team, que ce soit le BRI, que ce soit le brigade des véhicules volés, yon pas paré. Par rapport à l'éventualité ça. Et ça nous est. C'est justement là où vous mettez sous pied en unité anti-gang que vous arrivez plus ou moins commencer à gérer la question. Mais effectif, nous avons parlé de l'IA, vous pas mettez le sixième de effectif ça. Donc moi, je pense que cette fois-ci, il faut aller beaucoup plus loin. Parce que la question n'est pas une question du sénateur La Tortue, du chef de la police. Là, une question haïtienne, haïtien Jodia, qui n'a une situation qui n'a pas à vivre. Et moi-même, tout dans la même situation. Non seulement je remarque que y a des gens qui ne peuvent pas vivre, mais toute entreprise est fermée, oui. Par rapport à la question de ça, là, oui. Radio et, peut-être malchance pour moi, je vais choisir Romanes investir au goût à l'étranger. C'est dans le pays. Là. Et si je dis que je dois continuer le pays, c'est dans l'autre département. Donc, je dis à moi penser que c'est important que bon abnégation, qu'on dépassement de soi qui fait pour que. Nous rentrer dans la ligne côté nous dit assez, c'est assez. Et rôle assistance que nous dit à l'international là, il y a trois phases. Il y a une phase opérationnelle avec la police pour
appuyer la police dans toute opération yo, tout nos support à la police dans opération yo, li gen on support pour bailler l'armée dans consolidation yo, parce que la police actuellement manque effectif pour faire consolidation, donc il faut donner la consolidation à l'armée et force la gagne formation pour le bail pour avant 2 ans nous retourner à 15 000 policiers qui ca permettent que leur force la pour aller nous avons minimum de policiers avec l'armée cap aussi de 1200 à 5000 hommes pour que nous gagne minimum 20 000 hommes après 2 ans ça en même temps n'a pas élection mais en même temps tout n'a pas force publique cap permettre que nouvelle autorité yo gagne assez dans main yo pour que même si on a fond des ordres que le magistrat le député le sénateur eh bien la force publique pour mettre de l'ordre parce que moi même toujours dit ça l'on a les temps pas plein de ce que mon sénateur mon député ou bien l'autre monde qui va aux armes il pas doit bailler la force publique doit arrêter et si la force publique faible il pas arrêter mais si la force publique gagne sous lui l'a arrêter même genre me rappeler la dernière élection pas élection ça non les élections de 2020 d'abord des grands députés qui étaient arrivés tab baiza mais l'armée dominicaine a arrêté il pas quitter monsieur là au candidat. Donc je veux dire l'état doit exercer le monopole de la violence légitime à travers sa force publique. Et c'est force publique non qui désorganisée avec lui depuis 1994 qui pas jamais organisé qui fait que nous tâter jusqu'à ce que nous arrivions là et que nous constater Oumanes que tout le monde presque dire que la police pas capable. Là, oui, alors. Comment fait la police pas capable? On institution qu'on arrive à dépenser 20 milliards de gouttes là-dedans, dans le budget qui c'est presque un dixième de budget, et puis vous dites pas capable par rapport à des gangs. M'en vie dit policier au capable, la police pas capable. C'est ça. L'homme dit policier au capable, la police pas capable. M'en vie dit parce que policier yo formé, yo kagoumen. M'ba quoi nous gon paquet de problèmes là, nous gè de techniciens là dans la police qui a dit, mais lorsqu'on est gens, la police là c'est politisé, gens chaque nèg gen goup pa, gens au commandement, yon nan connivance à gang, ou vin dit tête ou institution. Oui, gen ça tout, mais gon l'autre bagaille qui rive Oumanes. Ça c'est aspect, moi te ka dit conjoncturel là, mais gon aspect structurel dans la police là tout. Comment ka vle que la police s'occupe des vies et des biens à l'intérieur du territoire? L'armée s'occupe de la défense du territoire. Mais comment qu'a voulu confier toute mission ça avec une police depuis 1994 où t'es quitté défense territoire la ministre là le vingo gros vide et que c'est non police ça ou obligé à fond polyfront qui c'est police frontalière pour la défense du territoire. Je dis à quel que soit Jean police là t'es ou quitté frontière libre. Eh bien même si t'es gagné une volonté à l'intérieur de la police mes amis ont rentré sur frontière. Frontière pas occupée, moun ka rentré qui vient faire n'importe qui désordre ou vle qui sorti. Le territoire n'est pas protégé. Ou pas ka gagner en réflexion ou à faire sous force publique pour ou pas penser à la sécurité des vies et des biens et en même temps à la défense du territoire. Livre que m'écrit en 2006, quelle force publique pour Haïti? M'te dou ça déjà Oumanes. Premier moun mwen te bay draft livre là, c'était le président René Préval. Te fait un président René Préval que. Je dis, moi, je ne suis pas détourné. Mais, ma bzo, vous avez une réponse à ça? Ah, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la question de la mer. Yuri, si vous parlez de la mer, je ne vais pas appliquer et so bon. Alors que, écoute, moi, je dis, président, lis la Constitution. Lis la Constitution. Moun kap di ça, vous allez pas retirer l'an de la Constitution. Donc, si la Constitution, on nous applique elle, mais en 2006, nous avons raté le cap. Mais pendant nous raté le cap de réorganisation de notre force publique, bon cap que nous kembe, faut ministre aller, faut l'aller. Alors que, le plan ordonné du départ de la ministre, c'était quoi? C'était d'avoir une police et une armée bien forte, capable de remplacer cette ministre. Parce que, on n'a pas pour nous constater, Oumanes, quand il y a le chef de police qui passait, mais tout temps yo passé yo te gen ministre qui était là avec eux pour évaluer vraiment chef police yo, c'est là pour compte yo parce que le gen 12 000 militaires qui là avant qui accompagner la police là eh bien bon l'autre jour il comme le problème yo pas arrivé plus grand non mais à partir de 2017 le gen y a simplement 12 000 policiers pas gen l'autre force qui là c'est à partir de moment où pour évaluer force haïtienne là oui mais est-ce que quelque part nous pas capable gon cartographie nous kon code gang yo e. Est-ce que c'est un problème matériel ou problème politique? Non, il y a aucun problème politique. Pour le moment, il y a un problème de choix. On va aller combattre gang yo? Non,
on va même dire que le conseil là va venir. Il y a un problème de choix qu'il fait. La cartographie est là, les matériels sont là, le personnel est là, l'assistance l'a venu même avant s'ils ont commencé. Maintenant, le conseil doit décider pour dire que qui l'a commencé. On dit nous que vous présentez plan par le conseil et que force l'a pas venu. Qui ça pour vous faire? Monsieur que ou tenu compte de force la gagne pour venir en tout dans plan. Regardez, force à la donne. Mais immédiatement que nous présentons le plan, si nous présentons le vendredi, lundi, on peut déclarer l'état d'urgence et commencer avec la police et l'armée. Et l'intelligence. L'état d'urgence, bon document, on va lire dans le document là. Oui, Romanes, je vais vous prendre ça. Si nous présentons le vendredi, lundi, première action qui doit être faite là, c'est le conseil présidentiel qui doit faire. Déclarer l'état d'urgence avec les mesures restrictives. Parce que sous le cadre légal de plan, tout ça crivé après, eh bien, l'Ikavine a un gros problème. Déclarer l'état d'urgence, à mon avis, c'est dit même ça pas possible, oui, de la mesure où l'État veut faire des choses. Oui! C'est la volonté de l'État pour montrer que vous parlez pour faire des choses. Et premier axe qui doit faire. Et bien, l'état d'urgence, elle déclare là, non? L'état d'urgence, celle que déclare, il ne va pas rien. L'état d'urgence, pour le déclarer, il faut les mesures spécifiques, la donne. Ça n'est qu'à besoin comme ça. Non, l'état d'urgence. On déclare, oui. Non, l'état d'urgence, premier bagaille pour ou déclarer, il faut que y des mesures restrictives de liberté. Il faut que la population connaisse que pendant ces 12 semaines, l'État gagne des interventions que pour le faire et que y a des zones qui sont isolées, qui ne doivent pas passer là-dedans. Et que gagne une attitude que Yokado adopté par rapport qui contraire à situation normale. Il y a des zones, l'État doit dire, zone ça, eh bien, on pas de activité scolaire la donne pendant tel moment. Couvre-feu. Et également, qui l'autre capacité que les policiers par rapport à droit normal là. Est-ce que les policiers ont plus de pouvoir? Oui, par rapport à la situation. Et puis, la deuxième partie qui intéresse ce conseil-là, qui remaniement budgétaire a fait pour que le budget qui plan, qui n'a haute intervention publique, qu'on y a nous réallouer à la force publique, qui permettent que dans ses ordres d'opération, dans son intelligence, il y a des moyens pour qu'il travaille pendant 12 semaines. Tout déclaration d'état d'urgence doit amener à un remaniement du budget pour que vous puissiez tirer minimum là pour que force publique a gagné. Parce que vous pas dire jeudi à ou déclarer état d'urgence et pour vous pas moyen ou obtenir international là-bas ou non. Si vous déclarez état d'urgence, ou avez dit tel projet social, m'a pas fait encore. Population, m'a pas fait tel projet. Donc, parce que pendant 12 semaines, m'a résolu le problème là. Et laisse la population à bavou. Laisse en abdésion on machine pour communication. Ah oui, deuxièmement, l'on déclaré état d'urgence là. Comment qu'a fait quitter jeudi à tout le monde a l'impression. Dans le chapitre 6, là, je parlais de ça. Que c'est Bandi qui fait communication sur nous, oui. Sur tout réseau, oui. Non, Bandi populaire. C'est ça, Yabdia qui passait, oui. Non. L'État doit organiser communication. Et dès le premier jour de la déclaration de l'état d'urgence, le ministère de la communication, CAO. Pas mon état d'urgence, moi je déclare état d'urgence là. Oui, mais. Lis un texte, oui, dis. Mais ce n'est qu'une forme administrative. Radio, mais ce n'est pas état d'urgence opérationnel que je parlais. Ah, ou non opérationnel. Oui. On dit état d'urgence sécuritaire opérationnel qui fait que dès le premier jour nous commençons. Et ceci nous besoin 12 semaines. Mais à partir de ce moment, et Romanes, que nous arrivons, que nous fin déclarer, eh bien, son musique, oui, qu'a joué, n'est qu'à jouer Ogla, disons, c'est conseil présidentiel là, n'est qu'à jouer guitare qui la police là, l'a joué partition par le dos, l'a partition devant. Dès que vous déclarez état d'urgence, lui-même pendant ce temps, pire. Il sortit de redéploiement administratif à redéploiement opérationnel. Néglaméa, immédiatement qu'on ait ses consolidations pas le fait, immédiatement il prépare son note d'opération pour la consolidation. Force là, qui lui-même connaît qu'il y a une assistance à la police, il prépare son matériel de soutien et de support. Donc, immédiatement, tout est en branle. Et directeur douanier, directeur Poyo, directeur Aéroporio, ils ont retrouvé dans son carré dans la meilleure condition D. Il a fouillé le plus petit détail quand entrer dans pour hein, parce que yo pas veut quitter les délégués, les vice-délégués, les maires, yo connaît deux départements eh bien qui opérationnel tout côté yo pour contrôler tout étranger, tout monde qui va venir parce que dès que plan a commencé, gen nèg qui va le déplacer et déplacement ça yo, c'est pas la police l'armée qui va contrôler, c'est toutes les autorités. Et c'est peut-être ça
que à partir de déclaration d'état d'urgence, chaque maire yo te gen droit yo même prendre des arrêtés communaux pour dire en fonction de l'état d'urgence, il y a un contrôle qui est établi. Mm-hmm. C'est la République qui est en marche. Ça, on travaille global, on parle là. Oui, c'est peut-être ça, moi, dis que l'État, longtemps, on a parlé de plan sécurité, l'autre, on va dire qu'on est. Non, il y a la partie publique. Mm-hmm. Ouais. Les parties publiques, la magistrat doit qu'on est, délégué doit qu'on est, hein, ministre doit qu'on est. Partie qui n'a pas doit qu'on est, c'est la partie opérationnelle, l'autre opérationnelle, qui est divisée en 5 paragraphes, qui est faite à chaque fois que l'opération peut lancer, ou bien 2 opérations, ou bien 3 opérations. Mm-hmm. C'est une machine qui est en marche. Et population qu'on est dans temps, ça, l'a fait sacrifice ça. Pour le bal ni dans bal, pour le soir le pas sauté, parce que l'État est en train de rétablir l'ordre. L'ordre doit être établi. Et ceci, mes amis, nous avons un petit pays, mais nous pas sortes. Nous pas qu'attendre que c'est un blanc qui a venu faire pour nous. Blanc déjà, il offre quoi? Il offre troupe. Faut l'œil vini, l'issue de des mondes de poids qui ca recevoir, qui ca faire réception, qui ca dire mais relou, mais pour qui ça me te relé ou. Donc vinn faire li. Alors d'ap kite nèg yo vinn là et puis yo vini, yo pa remarquer que nous pa ca faire rien et puis c'est pour faire quelques opérations, nous bat bravo et puis c'est courir pour la petite tomber dans la rivière parce que quand y aller, nous pa gagne rien. Alors que si y a un état major conjoint, bon nous bagaille bien. Il faut le reconnaître. Nos officiers de l'armée et de la police, peut-être qu'ils prennent des coups d'officier supérieur, mais peut-être depuis longtemps. Mm-hmm. Dans la force, il y a des nègres qui prennent des coups d'officier supérieur récemment. Mm-hmm. L'enfant état-major conjoint, eux-mêmes, ils parlent tout update dans l'état-major conjoint, même si, ils n'ont pas hiérarchiquement, ils n'ont pas dépendre de force là, mais ils prennent apprendre comment ou gérer l'état-major conjoint. Comment force a réussi là, sénateur Latouche? Pour force a réussi, il faut que force la arrête dans le rôle d'assistance opérationnelle et de consolidation et de formation. Premièrement, il faut qu'on le lise. Deuxièmement, il faut mettre un cadre légal pour que les joueurs lisent. Troisièmement, il faut qu'il y ait ces deux plans. Le plan opérationnel qui, en période de 3 mois, pour nous, déloger Bandio et le plan de réforme de la force publique pour nous préparer force ça qui doit en forme les que force les que mission multinationale la voie aller. C'est ça. Mais si nous pas fait ça, n'a échoué. Et malheureusement, les tout le monde voit l'aide, tout le monde appelle d'atout. Et ou pas c'est le même langage qui dit ah oui, peuple la voie obligé pour le même langage. Monsieur politique qui pas fait rien, chaque coup nous vini, c'est même bagage. Non, il faut que cette fois-ci, moi j'ai pas à critiquer ça de passé. Nous sommes déjà dans le constat. Le constat, il y a un constat d'échec de notre force publique. On ne va pas le chercher, qu'on est qui est, qui est la dame, qui pas la dame. On fera ça. On fera ça au moment opportun. Mais pour le moment, si il y a une mission qui a entré, il faut que nous rétablissions la question à l'autre gens. Il faut que nous d'accord que nous l'autre gens pour aborder. Moi-même, Christ a me lancé, justement, Wannes. Parce que, comme haïtien dans le pays, il y a. Je dois dire que je dis on n'est pas fait police, mais c'est dans le pays où on vit. Et si on vit dans le pays, je dis à l'insécurité à la privée sur tout le monde. Et si on vit dans le pays, on n'a pas accepté qu'il y ait 20 000, 30 000 personnes qui ont déplacé sur le cafoufeuille, des femmes qui ont violé, des personnes qui ont battu. Alors que, justement, il y a plein de monde qui t'a étudié pour ça. Il y a plein de monde que l'État t'a dépensé comme ça. Donc je dis à moi, je pense que c'est deux cris, d'un seul cri que nous devons dire assez. C'est assez et que il n'est pas encore trop tard que le conseil présidentiel n'a pas perdu du temps dans la même rencontre pour rencontre, mais c'est faire des rencontres, moi t'ai qu'à dire, et active pour que yo bail sécurité à priorité, yo préparer un plan global de réception de la force et un plan de réforme globale de notre force publique qui va permettre de nous résoudre de problèmes ça pour que dans un an. La question de bandits de terroristes, c'est une question du passé et c'est la question de la force publique. D'ailleurs, dans le plan ça, au Manès, moi tout parler de toute zone. Moi tout font gros travail pour conseil là, moi lié zone que il y a délivré à toute question de bureau électoral. Ça veut dire que pour que dès que yo fini opération yo, yo ka tout commencer processus électoral là. Parce que l'été établi déjà les 12 000, hein, environ 600 bureaux de vote qui gagnent dans le pays. Il y a pile côté dans yo que Jodia, eh bien, qui est occupé par les bandits, on fera d'une pierre deux coups. Il y a des zones à délivrer et il y a un rétablissement de zones à yo avec possibilité d'ouverture des bureaux de vote pour que CEPA, une fois établi, il tout commence à travailler. Parce que le CP n'a que 2 ans, pas même 2 ans, le CP n'a que 20 mois.
Et si nous voulons nous-mêmes montrer une volonté pour nous respecter tant ça, il faut que le travail de sécurité soit fait. Travail de préparation électorale là fait pour que dans une atmosphère quasi plus ou moins normale ou qu'à assister justement à une transmission de pouvoir côté que nouveau élu qu'a venir en place CCP. Moi une inquiétude sénateur la tortue. Mais inquiétude moi. Force là a vienne accompagner la police pour craser gang yo. C'est pas force là qui a vienne craser gang yo, la vienne accompagner la police. Nous pas grand policier. C'est vrai, on a dit nous avons 8000, 9000. Même sûr que si nous avons 8000, 9000 policiers, je suis sûr qu'il y a 2000 là dans la gang. Est-ce que tu as besoin de travailler d'épuration dans la police là qui fait nous avant même nous faire travailler ça? Bon, sinon, bon, même policiers dans la gang qui a empêché nous, qui a constitué des entraves à l'opération. Bon, moi, Romanes, comme moi, je ne vais pas parler de en détail de plan. Ça, on écrit là. On dit le vetting. Le vetting. Oui. Moi pas rentrer dans détail mais vetting là oui. Faut le faire oui oui dans 3 mois regardez dans 4 premières semaines là on vetting enragé qu'a fait oui et puis moi pas nécessairement besoin pour me dire pour me révoquer non parce que moi pas besoin faire abus il y a des cas partant me révoquer et gagne nèg depuis ba exemple il y a obligé tout parti et vetting là doit fait et à partir d'un pile critère mais m'a dit vetting ça qu'a fait là c'est lui qui permettre au déploiement en fait tout m'pa bay détail là m'pa parler de ça dans radio ouais mais le document ou regarder dans document c'est pour jeune dans premier bagage qui pour faire parce que un pourcentage que nous déterminer de policiers malheureusement qui a travaillé avec gang yo donc nous obligés pendant le premier mois avec le service d'intelligence et surtout le Conseil national de sécurité, hein, parce que vetting là n'a fait de l'extérieur, le Conseil national de sécurité que mettez dans ça, parce que ligon wall tout pour que on vetting qui fait et que même mon suspect là, mais il pas prend pas du tout une opération, même si mettez en isolement, on ne va pas évoquer lui, même isolé. Et puis sur question effectif là, et Manès et nous gain effectif là exact qui là, et c'est avec effectif ça que nous allons faire un redéploiement. Ouais, qui a fait un redéploiement et je remercie tout commissaire officier qui te permet de faire un détail pour nous arriver à joindre l'effectif là. Et si justement, grand pile monde qui a parlé, ouais, si vous préparez un plan Romanes, il faut un plan de réforme là 2017-2021. Parce que grand pile monde qui a parlé de la police là qui part contre la police là. Et si plan de réforme ça. Il n'y a pas dit tout le monde, ouais, si plan de réforme ça 2017-2021, que l'homme était président Sénat. Moi t'ai voté 2 milliards. Laisse ça budget était difficile pour te voter. Changer laisse ça t'ai grand pile monde qui te dit c'est budget ça faut pas voter budget criminel. Moi-même moi t'ai dit voter budget ça parce que il y a quoi la donne qui permet institution yo. M'ai voté nous t'ai fait voter budget ça pour 2 milliards de gouttes. Malheureusement en 2018 l'on a fait évaluation dans 2 milliards de gouttes ça comme ça va t'aller dans la police. Comme ça t'aller surtout dans question caravane qui fait que justement directeur GD en capitaine Demlal te dit ça vraiment. Il te dit que grand plan pour nous arriver tel côté, mais là ça a vrai dit mon pas occupé de question plan ça, il était plus à préoccuper comment pour retirer GD dans la police. C'était malheureux. Et faut mon connaît détail ça, on pour qui ça? Grand pile monde qui était qui dit oui problème qu'il a, c'est un tel qui était un examen, problème là plus profond que ça. Ouais, si plan ça a été exécuté 2017-2021, autorité était prend responsabilité. Je te prévois déjà que nous avons 20 000 policiers. Matériel qui t'a gagné. Comme yo te baillot. Malheureusement, en 2018, l'homme vient soulever question que comme ça n'a pas déplacé dans le plan, je te prends pour un bête noir. Je te dis, ma baille gouvernement problème. Moi, je te vois que le ça, si la police pas joué comme ça, la police t'a privé dans une situation t'a pi mal en 2021 qu'en 2017. Donc, voici référentiel. Moi, je pense que plan ça, il était bien élaboré, il était bien conçu, malheureusement pas exécuté, mais on peut toujours reprendre. Et Romanes, comme le arrivé, on pas qu'à arrêter plus.